La plante que nous avons le privilège de présenter maintenant est celle-là. Il s'agit d'une plante très connue parce que cultivée dans le monde entier, même si en fait elle est originaire d'Amérique centrale où on rencontre encore beaucoup de variétés très rustiques, mais aussi de très belles variétés avec de multiples colorations. Il s'agit donc de Zea maïs. Zea maïs qui est très apprécié comme céréale de la famille de ce qu'on a appelé avant les graminées. Alors, la plante peut atteindre facilement 2,50 m de haut. Le pied que j'ai devant moi, si j'essaie de mesurer sa hauteur, dépasse, ma règle à combien? Ma règle à 2 mètres de haut. Là, on a environ 2,30 m ici, quoi. Mais il y a des pieds derrière qui atteignent 2,50 m. Normalement, c'est une plante annuelle, c'est-à-dire qui pousse spontanément dans certaines contrées, notamment en Amérique latine, mais maintenant elle est cultivée. Et quand on la regarde, bon, à l'instar des autres graminées, les feuilles, on les voit là, sont papyracées, assez longues. Et pour cet exemple en particulier, là, on a combien? Jusqu'à 12 cm de largeur, contre une longueur qui. Quand on part de la partie où la feuille commence à s'envelopper sur la tige, on va là jusqu'à ici, j'ai environ, disons, 90 cm, quoi, 90 cm de long. Mais bien entendu, comme sur les graminées en général, donc on va voir que la feuille s'enveloppe le long de la tige jusqu'à venir s'attacher autour du nœud. Alors, le prochain nœud est ici en fait. Et là, on peut mesurer combien? Jusqu'à 20 cm. Hein? Jusqu'à 20 cm. Donc, si vous ajoutez ça aisément aux 90 cm, vous êtes à plus de 1,10 m. Dans la littérature, on trouve jusqu'à 1,50 m de longueur de feuille. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut voir clairement la nervure principale, hein? Aussi bien sur la face supérieure, où elle apparaît plutôt incrustée, et sur la face inférieure, en relief. Les nervures secondaires sont quasiment parallèles à la nervure principale. Et si on compte d'un côté, par exemple, on voit là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paires, on va dire, de nervures secondaires. Et quand on regarde la surface de la feuille, même scabre, hein, on peut détecter sur la bordure plus ou moins ondulée des cils, des poils sur la feuille, ça se voit là à la lumière. Hein. Et donc, en regardant de près même la partie où la feuille s'enveloppe hein, sur la tige, on voit que c'est pas mal poilu. Hein. Donc, il y a une sorte de duvet là. Je suis en train de les dresser, voilà. On voit, et sur les bordures de feuilles. En fait, quand on regarde la feuille au dos, il y a une sorte de. Hein, c'est pas très visible à l'œil nu, mais il y a une sorte de duvet. Hein. On dit que la feuille est tomenteuse, hein, aussi bien sur la face inférieure que sur la face supérieure. Alors, donc, ce sont des feuilles sessiles, bien entendu, comme les graminées. Ça s'enveloppe là à partir de cet endroit de la tige pour venir eh bien, s'incruster au prochain nœud que l'on peut détecter par son gonflement, hein, même sous le doigt. En regardant de près, hein, on peut voir. Que la feuille commence à s'envelopper ici, hein, commence à s'envelopper, et là, mais là où elle s'attache vraiment à la tige, c'est au niveau du nœud, là. En fait, sur le maïs, il y a deux inflorescences bien séparées, hein. Il y a une inflorescence terminale qui se trouve généralement donc en bout de tige, comme on le voit ici. Il y a un ici, il y a un ici. Un épi terminal, ça c'est mâle. Et plus bas, à l'aisselle. Des feuilles, là où elles s'enveloppent sur la tige, on voit aussi il y a une inflorescence femelle. Alors, si on considère l'inflorescence mâle, on voit que c'est une sorte de panicule. Alors, panicule voulant dire un groupe de groupes, hein, c'est-à-dire qui est formé, c'est un épi, il y a un épi qui est formé d'épillets, d'épis secondaires. Il y a un épi principal formé d'épis secondaires que l'on voit là. Et donc, on voit là-dessus les fleurs qui sont disposées en racème. Hein, et donc, ces fleurs vont contenir le pollen jaune,
On peut donner les dimensions du panicule. Hein. Là, on a jusqu'à 30 cm, 30 en haut, 30, 32 cm de haut. Alors, on voit les épillets, hein, une sorte de pédoncule à la base qui fait de l'ordre de combien ? De 2 cm à 2 à 3 cm, les pédoncules. Et donc, on voit ce qui ressemblerait à des graines, hein, mais qui ne sont pas des graines en réalité, qui sont les organes mâles de la fleur, hein, qui contiennent le pollen. Et donc, en maturité, ce pollen va glisser. On le voit d'ailleurs quand on touche, hein, la poudre jaune qui descend. Hein, là, c'est le pollen, la poudre jaune qui descend, et qui va venir se déposer justement sur le réceptacle constitué par la barbe, hein, qui émerge de la partie femelle de la fleur, enveloppée dans cette espèce de bractée, hein, de feuilles enveloppant, hein, donc une sorte de mousse. Hein, c'est l'épi de maïs en tant que tel, mais pour le moment, cet épi ne contient pas de graines. Donc quand les pollens vont se déposer sur cette espèce de barbe, alors la fécondation a lieu, elles vont migrer. Ces graines vont migrer jusqu'à atteindre disons le réceptacle qui est là, et les graines vont commencer à se former à l'intérieur. Alors ces mousses sont de couleur et de longueur variées, hein. Sur ce lit-là, on voit que c'est quoi, une couleur rose plutôt, avec une longueur moyenne d'autour de 10 cm. L'épi même, qui n'a pas fini son développement ici, a une longueur, on va dire, de combien ? Une longueur de, disons, environ 30 cm. Hein, 30 cm. Donc, lorsque le maïs, les graines vont se former, cette partie va se développer davantage. On peut avoir des diamètres, hein, jusqu'à, bon, actuellement le diamètre est de l'ordre de 5 cm, mais on peut avoir jusqu'à des épis aussi gros que 10 cm de diamètre, vraiment de gros épis de maïs. Alors le maïs est largement cultivé maintenant pour de raisons très très variées, notamment pour l'alimentation des personnes, mais aussi du bétail, hein. Il est très apprécié. On en fait une farine qui est diversement utilisée en Afrique pour faire de sortes de pâtes alimentaires que les gens aiment beaucoup. Mais aussi, le maïs possède des vertus médicinales dans ses différentes parties, soit la fleur elle-même, soit la barbe de la partie femelle, fleur, et soit les feuilles, soit même le chaume, hein, c'est-à-dire la tige qui constitue le tronc, ou même les racines. Il y a différentes applications que nous allons lister, bien entendu, à la fin de cette petite vidéo. Alors, en ce qui concerne les noms, hein, au Mali par exemple, le maïs est communément appelé kaba. Et bon, au Burkina Faso, hein, les Mossi vont l'appeler kamana. Kamana. Et les Dula du Burkina l'appellent aussi kaba, ou bien magno. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, en Agni, ils vont l'appeler abléoué. En baoulé, ils vont l'appeler ablé. Ou encore en Nubie, là-bas, ils vont l'appeler Kwasoué. Au Bénin, en Bariba, ils vont l'appeler Beretoburu. Ou encore en Fon, ils vont l'appeler Gwadedje ou Gwadoda. Au Sénégal, ils vont l'appeler aussi, les Bambara là-bas, Kaba. Tandis que les Peuls tout couleur vont l'appeler Maka, ou bien Mala. Les Wolofs vont l'appeler Mbox, ou bien Mboxa. Au Togo, en Ewe, ils diront aussi Ebli, ou bien Bli. En Mina, ils diront Ebli. En Guinée, les Malinké l'appelleront Kaba. Tandis qu'en Poula, ils diront aussi Kaba. En Soussou, toujours en Guinée, ils vont l'appeler Kabé. Voilà donc, tiré de la littérature, juste quelques noms pour le maïs.